Je m'appelle Léonid Lamievitch, je suis doctorant à l'Institut parisien de chimie moléculaire à la Faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université, sous la direction de Mathieu Sologoub et Vincent Calvez. Je m'intéresse au virus de la grippe. La grippe, c'est une maladie qui touche chaque année près de 8 millions de personnes en France. Les vaccins ne sont pas toujours efficaces du fait que le virus est très changeant et évolue rapidement. Et donc, une autre façon de s'en protéger, c'est des traitements antiviraux. Je fais précisément la synthèse et la conception de petites molécules chimiques capables de bloquer le virus et lui enlever son pouvoir infectieux. On effectue non seulement la synthèse de ces molécules, mais on étudie leur interaction avec le virus au niveau moléculaire, leur toxicité, leur comportement dans des modèles cellulaires et animaux. Ce projet est très appliqué parce qu'il essaie de répondre aux besoins de la santé publique, ce qui est très motivant et fondamental par son approche scientifique qui essaie d'étudier et de comprendre le système dans ses moindres détails, ce qui est passionnant. Également, ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est sa multidisciplinarité parce que ça met la chimie et la biologie et de multiples collaborations avec les microscopistes, avec les médecins cliniciens.